Bonjour, ici Etienne 907 pour l'explication. On est de retour dans Ark. J'ai eu peur que le jeu commence à juste crasher sur moi et faire en sorte que je doive recommencer à tout bout de champ parce que j'ai eu une fatale erreur tout à l'heure. Alors, dans cet épisode là. Ah, désolé. On va prendre un peu d'eau. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, ça va être créer le mortier et le pistolet. Le mortar and pestle. Qui va être pas mal utile. D'ailleurs, je tiens à vous informer que je m'étais, en fait, je le savais, mais j'avais oublié une chose. Le mortier et une pestole est utile pour faire pour faire de la narcotique et on a besoin de spoil meat pour faire de la narcotique. Je vais aller voir si mon esprit de Charlie. Ah, de la narcotique sur lui, il y en a 12. Génial. Ça veut dire que ça va, je vais pouvoir en faire 3. Alors, la narcotique, c'est une bonne façon d'essayer de garder de la narcotique en bon état. Donc, voir. Drogue. Donc, je vais en faire 3 de suite. Ce qui est vraiment utile. Puisque. Ah, ok, non, j'ai eu peur. Je pensais que ça avait utilisé tout mon stock. On va voir combien d'XP ça donne. 5 d'XP? Oh boy, ok, je pense que je vais faire ça pendant un méchant bout. De toute façon, j'en ai besoin à tonne de narcotiques si je veux pouvoir endormir plus les dinosaures. C'est sûr que c'est plus utile utiliser de la narcotique, les narco-berries et non la narcotique, mais les berries passent date tandis que la narcotique ne passe pas date. Donc, tant qu'à moi, c'est plus utile de donner de la narcotique que des berries. Enfin non, c'est plus utile de faire de la narcotique que des berries. Mais si jamais vous êtes à côté puis vous avez des narco-berries sur vous autres, utilisez les narco-berries à la place de la narcotique. Puisque plus tard, vous allez pouvoir vous faire des flèches. Des genres de flèches. Des flèches tranquillisantes pour pouvoir endormir la bête. Ce qui est assez utile, sérieusement. Un de mes amis, justement, c'est ça qu'il a utilisé pour tamer un brontosaure. Et le T-Rex, et le Spinosaure. J'ignore si le Spinosaure est réel ou si ça avait été inventé juste par Jurassic Park. Ça, je l'avais déjà dit, hein. Peu importe, je me répète. De toute façon, cet épisode-là, ça va être surtout moi qui essaye de pogner un level. J'ai quelque chose en gorge qui essaie de me faire étouffer. Je sais pas c'est quoi. Ce n'est pas quelque chose de dirty. Nope. Nope. Probablement ce que j'ai mangé tout à l'heure, ça a fait. Ça a pogné le très vite, t'es lire! En tout cas, j'ai besoin de narcotiques à fond. Allez, donnez-moi de la narco. Et. J'ai oublié de regarder l'heure, j'avais commencé, donc on va se mettre un. 13 minutes à partir de maintenant. Ce qui veut dire. 55 à peu près, ok, cool. C'est good. Donc, j'ai l'heure. Oh my god, mon bonhomme commence à avoir faim. Malheureusement, comme j'ai crevé sur la route tout à l'heure par le T-Rex, je n'ai plus vraiment de nourriture. J'aurais dû en laisser à la base, mais au minimum, j'ai plein de Tinto Berry. Ah, d'ailleurs, je vais en profiter. J'ai une tonne de roches. Je vais tirer ça sur la tortue qui était proche de la base. Où est-ce que t'es? À moins qu'il y ait un Triceratops, je pourrais essayer de tuer. Je n'aimerais pas tout de suite les tortues ninja. Allez, viens-t'en ici. Ah ouais! Toi! Heureusement pour moi, il est bloqué là, donc je peux l'assommer assez facilement, merci. J'ai besoin de nourriture à fond parce que les berries ne seront pas assez pour me soutenir. Allez, endors-toi! Je vais aller rechercher les bambous, vu que c'est la meilleure place pour avoir la nourriture des narco-berries. C'est la meilleure place pour pogner surtout des berries, en fait, les bambous. My god. Les tortues sont vraiment, mais vraiment pires. Mais disons-le, c'est normal, puisque ils ont une méchante grosse armure sur le dos. Remplie de spikes. Allez, crève. Meurs! Enfin, oh my god. Ok, non, pas de la haie s'il vous plaît, je veux.
Nice, 9 de viande, c'est bien correct. Ça va être en masse pour le moment. Oh, regardez-moi ce beau drop-là de bleu. Malheureusement pour moi, c'est pas très utile. Ok. Accédons au feu. Mettons ça à l'intérieur. J'aurais besoin d'un peu plus de bois. Et voilà. Donc, dès que je vais avoir. Dès que je vais être revenu, ben, je vais avoir de la viande de prête. Attendez. Attends un petit peu. On va faire en même temps un test. Je suis curieux de savoir si je craft de quoi puis je m'éloigne. Je regarde. Ça va avoir donné mon XP pareil. Ok, c'est cool. J'ignore si je me rends loin, si je l'ai pareil. Donc, je vais aller dans la forêt puis aller chercher de la narcoberry dans la forêt. Après aussi, je me. Oh, quoi, canon, la viande cuite passe date, elle aussi. Donc, je devrais être correct. J'ai pas vraiment besoin de garder de la viande crue sur moi. Oh, oh yes! Ça a été pile. Ça a été juste. Ah oui, pogne-moi le bambou. Donc, j'ai souvent eu plus de chances de pogner des berries que sur les bambous. Mais là, il y a plein de petits trucs alentour. Hey, pogne le bambou. Sweet. Ok. Je veux pas de la roche, je veux de la narcoberry. Merci, Steamberry. J'ai tellement de Steamberry, je vais pouvoir faire la tonne du stimulant pour me garder réveillé si jamais je me fais piquer par un Pulmunoscorpion. Pulmunoscorpius. Les seeds, je ne pense pas faire une ferme parce que ça peut être long. À moins que je me fasse un compost qui donne vraiment plus de stock, qui est pas mal plus utile. J'ai besoin de plein de narcotiques, il faut que je me monte d'un level et cette affaire-là, c'est vraiment utile pour monter de level. Parce que j'ai vu, ça avait l'air à donner 5 d'XP. On va essayer d'en faire le plus possible. Aussi mieux d'en avoir plus que pas assez, je dirais. Alors, pour le truc, est-ce que je l'avais dit que ça prenait des Mejo Berry? Il me semble que oui, je l'ai dit. Je pense pas t'aimer un deuxième trike. Mais on verra parce que ça peut être utile. À moins qu'il y ait, je sais pas s'ils ont rajouté justement l'affaire d'avoir des œufs avec les dinosaures. Là. Ok. Ok, c'est good. Je pensais que j'avais un problème de dinosaure, mais non, c'est good. Ce n'était point un dinosaure qui voulait ma mort, ce n'était qu'un petit pteranodon. Ah, t'es là. T'es-tu pogné là? Faut croire que oui. Hey, ils ont changé le texte de You've killed quand tu tues un dinosaure. Intéressant. Parce que j'ai vu un parallèle. Oh. Salut par hasard. Dis-moi, tu pourrais-tu te bloquer à quelque part que je puisse t'assommer? Ça pourrait être intéressant d'avoir une saddle de par hasard si jamais je réussis à en atteindre un. Mais je pense qu'au level 15, c'est là qu'on pogne la saddle de l'autre, mais je suis pas sûr. J'essaye d'y aller par mémoire, mais ça se peut fort bien que ça soit pas vrai non plus. Ne me prenez pas au mot. Donc, genre 6 narcotiques, ce qui va être plutôt utile plus tard. Oh, je vais pas dropper toute ma peau, j'en ai pas besoin sur moi. Droppons la peau, avec le bois. Le fibre, j'en ai déjà 100 sur moi. Comme ça peut être juste un, je vais le garder sur moi le reste. Pourquoi pas garder aussi le tatch sur moi, c'est pas si lourd que ça. Droppons les berries dans mon dinosaure. On va dropper les berries dans le dinosaure, puisque ça peut être utile. Alors, toi, t'es-tu. Et où ta limite? Quand on fait pour savoir la limite du dinosaure? Je sais qu'ils ont rajouté une nouvelle limite pour les dinosaures. Hein, t'es mon genre de frigidaire berry. Frigidaire entre parenthèses, parce que ça garde pas grand-chose. Je sais qu'ils ont rajouté un. Je sais qu'il y a un frigidaire maintenant dans le jeu. J'ignore si ça fait longtemps qu'il est là. Mais ça pourrait être intéressant à voir. Du kératin, j'en ai pas de besoin de sur moi pour le moment. Plus tard, ça va être utile pour faire du cementing paste. Qui va être utile pour faire une saddle en particulier. Je me souviens pas de laquelle. Je pense que c'est la Spinosaurus. Et je pense que c'est la Spinosaurus et la. Et la Brontosaure.
Celle, le dinosaure avec les spikes sur le dos, hein. Avec la longue queue. En tout cas, celui-là, là. J'ai pas de mémoire pour les noms de dinosaures, disons-le. Bon, ok. Est-ce qu'il y a un drop proche de moi qui reste spawné que je pourrais essayer de les trouver? Parce que j'ai utilisé toute ma viande pas ces dates. Mais si je pouvais, je défricherais toute cette forêt-là juste pour un peu pour voir mieux dans la forêt. Ok, reste là, esprit. On va aller explorer par là-bas. Voyons voir si le Carnot est encore dans ce coin-là. On va souhaiter que non. Attendez, j'ai besoin de bouffe. Je vais prendre de l'eau, je vais me remplir, je vais prendre ma bouffe. Et voilà, allons chercher la nourriture. Go, 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 go! Le feu doit... ça doit bien être fini, ça. Yes, la nourriture est faite. Good. Combien d'XP qu'il me manque avant de monter de level? Ouf, 36 d'XP. Ok. 36 d'XP, c'est good, ça. C'est dommage que j'avais plus rien pour essayer de l'augmenter, cet XP-là. À moins que je chasse le... Je peux chasser le poisson pour pogner le livre aussi. J'avoue que j'ai perdu ce livre-là, moi. Poisson, poisson, poisson. Attends, je vais dessus. Crafter une spear. Deux flint et du bois. On va aller chercher ça. Je vais aller me refaire une spear. Parce que j'aime mieux avoir trois spears que deux. Parce que des spears peuvent péter assez rapidement et c'est assez chiant quand ça arrive. Chanter en masse, mais c'est pas grave, on va prendre au complet. Allons péter cette roche-là maintenant. Let's go! Break it! Pas de la... non, donne pas de la stone, je veux du flint! Allô? Merci! Oh my god! J'étais vraiment malchanceux là-dessus. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment limité... la quantité de spears qu'on peut avoir. Je vais réessayer pour voir. Juste pour voir. Ok, ma pickaxe m'a pété dans les mains. C'est good. C'est pas comme si ça dérangeait. Allez. Allez, donnez-moi du flint. Good. Et voilà, bon, on va voir. Est-ce que c'est... non, ok, je sais vraiment pas pourquoi tout à l'heure ça voulait pas me refaire une quatrième spear. Mais heureusement, maintenant, elle est faite. J'aimerais peut-être me faire du linge de rechange à la base, comme ça, je vais avoir déjà un peu de linge à faire. Et ça pourrait me donner un peu d'XP aussi. Ok. Il y a de l'air d'avoir un drop blanc là-bas. Je vais regarder. Ouais, il y a de l'air blanc. C'est assez dur de voir les couleurs dans ce jeu-là. Mais là, il faut que je me watch pour le Carnot. Je sais qu'il y avait un Carnot dans ce coin-ci. Et je veux pas m'affronter à un Carnot tout de suite. S'il y a un Carnot, je vais traverser dans l'eau. Oh, attends, il y a de l'air mauve, le drop. Il y a deux cartons. Ok. Est-ce qu'il y a un dinosaure carnivore de l'autre côté de l'eau? Il y a un trike, deux trikes. Ok, on va passer dans l'eau. Il n'y a pas de mégalodon? Non? Good, tant mieux. Disons là, je veux pas vraiment me battre contre un mégalodon. Ça serait... oh! Parlant du diable! Non, non, laisse-moi aller. Non, laisse-moi aller sur le rivage! Non! Non! Oh! 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 Fuck! Ok, j'étais vraiment. Oh my god, il y en a un deuxième! On dirait vraiment qu'ils ont grossi ces dinosaures-là. On va manger un peu de viande. Ce qui me guérit légèrement ma santé. Fait chier. Je peux essayer de contourner vers la droite. Aller dans la forêt un peu plus. Si je passe en dessous d'un brontosaure, le brontosaure a de bonnes chances qu'il attaque le Carnot. Puisque c'est une façon de s'échapper des dinosaures, vous n'avez qu'à les faire rentrer dans les autres. Et là, normalement, il devrait attaquer la grosse bête pour de la nourriture. Là, ma peur, ce serait de pogner un raptor à mi-chemin.
Surtout avec ma vie qui est pas au max, je vais manger encore pour me guérir un peu plus. Donc je vais y aller lentement, pas vite, juste pour être sûr de pas me faire surprendre. Allez. J'ignore même si on peut être sneaky dans le jeu, j'aimerais vraiment essayer de sneaker. Parce que la plupart du temps, je suis du genre à courir comme un des deux. On va s'essayer, j'ai jamais essayé de me pencher. Ok, donc le Bronto est juste là. Ce qui veut dire que le Carnot devrait vraiment pas être loin. Oh! Fuck, Bronto! Ah, fuck! Comme vous pouvez voir, on les entend se battre présentement. Oh my god, ça a l'air d'être un bloodbath. Faut que j'aille voir ça. Je suis tout nu. Allons voir ça. Let's go! Allons voir ça, naked. Why not? Je l'avais pas vu venir, ce salaud-là, man. Il est sorti de nulle part. On va souhaiter que le Bronto gang, bien évidemment. Oh, il est encore vivant, le Bronto, en tout cas. Mais est-ce qu'il se bat contre le deuxième? On va voir. Ok. Huh. Il a pas de l'air à s'être passé grand chose. Je vais récupérer ma stamina. Oh my god, il y a un raptor juste là. Ok. Où est mon corps? Est-ce qu'on peut voir mon corps? Oh, le raptor s'en vient par ici. Raptor, ouais, attaque. Attaque le Bronto. Ok, on va laisser faire. Carnot? C'est pas un Carnot, c'est un raptor. Oh non! J'avais oublié cette affaire-là! Ok, c'est pas grave. On va respawn à cette random location-là. Logiquement, elle devrait vraiment pas être loin de la base. Base est par là-bas. Alors, quel est ton nom? Stégosaure. Ok, c'est good. Je me demandais justement c'était quoi le nom du dinosaure là, que je voulais dire tout à l'heure. J'espère que j'avais droppé mon stock. Minimum. Hey, stop Charlie, je t'amènerai pas parce que, ouf, il y a gros du dinosaure carnivore dans ce coin-là et tu vas te faire tuer assez vite. Ok, ben bon, j'ai besoin de fibres, de cuivre, de ça. On va prendre la fibre encore plus. J'ai plus de rush. Fuck. J'ai zéro rush, bon, ok. On va en profiter, on va se faire un slingshot. On va se faire ça. Checker ça. Yes, sir! Qu'est-ce qui va me manquer? La fibre. Ok, c'est good. Je vais aller chercher le stock de fibres que j'ai sur Charlie. Hey, Charlie! Hey, t'as monté de level! Sweet! Augmenter ton attaque. Donne-moi de la fibre. Merci. Solid water skin. Et voilà. Et avec tout le stock que je me suis recrafté, j'ai même pas réussi à avoir de l'XP assez pour monter de level. Oh boy, le jeu il peut être lourd des fois pour monter de level, ça n'a pas de bon sens. Ok, c'est une tortue, je me demandais c'était quoi le moyen. Ok, dropons ça. La fibre, je vais la garder sur moi, j'en ai en masse, ça me dérange pas d'en perdre. La flint, c'est super simple à trouver. Bah. Je reprends la moitié. Ok, je vais garder la moitié du bois aussi. Et voilà. C'est good! On est reparti! J'ai... même pas de... Ok. What the fuck? Allô?
Ok, je sais pas pourquoi ça a freezé pendant quelques secondes. C'est comme si j'avais sorti du truc. J'ai besoin de touch. Donnez-moi du touch. Je suis sûr que j'en avais dans le coffre, c'est pas grave. On va le récolter. Let's go! Break your bone! Juste un touch. Et voilà. Qu'est-ce qui manque pour ça? Du touch, c'est good. On se récolte ça avec ça. Alors, pour être franc, sérieusement, c'est mieux de crever à tout bout de champ. Tant qu'à moi. Puis de se faire de l'XP à fond, à force de crafter du stock. Sûr que je peux tuer des tortues ou même des petits dinosaures, mais pour être franc, ça peut être long. Je vais essayer, attendez, on va essayer juste avant de finir l'épisode, je vais essayer de tuer un stégosaure. Why not? On va essayer de voir si je pourrais pogner gros de l'XP en tuant un stégosaure. Je sais que j'ai entendu parler que ça pouvait donner gros de l'XP cette affaire-là. On va l'essayer en même temps. Tant qu'avoir du stock neuf, on va pouvoir pogner en même temps plein de cuivre parce que je vais en avoir besoin beaucoup. Bon, il est où le stégosaure? Il est juste là. Puis il a de l'air d'être pogné aussi dans les arbres, alors. Why not? Eh ouais, il est pogné. Non, oui. Oui, il est pogné. Ok, let's go. Rush. Des rushs pour la win. Des rushs pour la victoire. C'est banal, mais pour être franc, le stégosaure, c'est comme le trike. Ça peut être pas mal facile à le tuer en faisant la même tactique. En reculant, à chaque fois que tu tires une roche, tu recules. T'as peut-être même le temps d'en tirer deux des fois. Mais oui, ça peut être utile assez en maudit pour... Même d'ailleurs, taming un stégosaure devrait être très utile, mais je le ferai pas là. je le fais vraiment pas tout de suite, tamer un stégosaure. Là, je veux juste de l'XP. Oh my god, ils l'ont changé son animation pour tomber, lui. Ne revole pas, s'il te plaît, parce que je vais avoir besoin de ta viande, mon cher. Good. Ça m'a pas monté de level. Dommage. Tu as un inventaire? Non, ok, cool. Oh my god, checkez-moi ça, la hide. Oh, un raw prime meat. Sweet. Je suis rendu à quel level? À combien d'XP? Ah, quand même, ça a donné quand même gros de l'XP. Intéressant. Ok, je vais aller dropper. Je vais aller faire cuire la viande prime. On va voir si ça peut être utile pour moi. Juste avant de quitter, parce que cette viande-là, je vais expliquer la prime meat, qu'est-ce qu'elle fait. La prime meat, c'est comme une viande de haute qualité. Elle passe date super vite, sauf que si tu l'utilises pour tamer quelque chose, comme un carnivore, ça va monter son taming super rapidement. Ce qui est très utile. Donc si jamais vous voyez un gros dinosaure juste le côté puis que vous êtes capable de take down assez rapidement, vous pouvez utiliser ça pour justement pour tamer des dinosaures de haute qualité. En tout cas, une chose est sûre, ça m'a donné énormément de viande. Alors, quelle heure dans le jeu? 15? Ok. Alors, c'était Etienne 907 pour les TPQC et on se revoit dans un autre épisode de Ark. Au revoir!